Ça va ici? Ouais. C'est bien quand vous allez repousser la date de l'église directe. Je vais débuter. Il était 31. Donc, OK, donc j'espère que ce n'est pas une surprise pour personne qu'on ait une date dimanche, une rencontre ensemble dimanche, 10 h à midi. Si ça peut vous réconforter, c'est pire pour nous autres, les correcteurs, parce qu'on va passer le reste de la journée enfermés à l'université à corriger. Il y a donc 520 copies pour les 5 sections. Ça fait pas mal de corrections. Ça prend pas mal de pizza pour passer à travers. La bonne chose, c'est que normalement, les notes sont publiées le même jour. Donc, ça aussi, c'est intéressant d'avoir l'heure juste le plus tôt possible. Après l'examen intra, je vais vous donner aussi, je vais revenir ici en classe puis vous parler un peu de stratégie par rapport aux choix difficiles que vous avez à faire si ça a moins bien été dans l'examen, mais ça, on ne souhaite pas que ça arrive. En fait, j'avais une petite requête. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, de tous avoir des solutions parfaites. C'est facile à corriger quand vous avez les bonnes solutions. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un petit effort pour que je vous donne A+ à tout le monde, pour que ça soit plus facile à corriger, qu'on termine notre correction plus tôt, qu'on puisse aller regarder la télé, aller au cinéma, faire quelque chose. Donc, vous essayez tous d'avoir un A+. Ça, c'est facile à corriger. Oui. Les erreurs de syntaxe. Donc, il y a une question ici. OK, je vais dire juste à Brigitte la réponse. Attends, j'arrive. Eux, ils ne veulent pas savoir. Donc, les erreurs de syntaxe, c'est dans les questions faciles, où c'est évident, je m'attends que ce soit du Java, je suis plus sévère. Dans les questions qui sont plus demandantes, résolution de problèmes, je porte mon attention sur la résolution de problèmes. Mais je m'attends quand même à des choses très Java. Je rencontre des fois des solutions où l'étudiant va appeler quelque chose comme pop égale 5, appel de méthode côté gauche d'un égal. En Java, pas vraiment. Donc, quand je vois des choses comme ça, là, je deviens un peu ça m'énerve, mettons, là. Je dis, il était passé où cet étudiant-là pendant tout ce temps-là? Mais donc, tu sais, point virgule, c'est correct. Même un nom de méthode où tu dis, ah, je veux utiliser la méthode, je veux utiliser un objet random, puis je ne me souviens pas, est-ce que c'est next, int ou quelque chose. Ça, ce n'est pas grave. Je me dis, si tu avais accès à la documentation, tu aurais lu, mais il faut que ça ressemble à du Java. Si ça ressemble à quelque chose qui n'est pas un langage de programmation, là, je deviens un peu plus sévère. OK, donc. Oh, pas une bonne idée. Ça a effacé tous mes trucs. OK. Donc, on a un examen. On a aussi deux séances. Bon, pourquoi ça ne marche pas, mon affaire? On a aussi deux séances où je vais solutionner des problèmes.
OK, là, j'ai un petit problème parce que je viens de perdre le texte que j'avais ajouté. Mais enfin, OK, il est juste perdu sur mon ordinateur. Il y a donc une séance demain, jeudi 2 mars, 14h30 à 16h au J106. Puis vendredi, les gens qui veulent passer un vendredi soir avec moi. Toujours. C'est ça, on ira au Draft Pub après. Au CBY B205. OK, deux séances, 3 heures. Ça devrait contribuer au A+. Là. Je veux rien de moins. OK, on s'entend-tu rien de moins qu'un A-? Ça aussi, c'est pas si mal à corriger. Là. À la demande générale de deux personnes, on va repousser l'échéance du devoir 3 jusqu'au vendredi 10 mars, donc du 6 au 4. On ne peut pas vraiment aller au-delà de ça parce que c'est incroyable, là, mais la fin du semestre arrive. Hein? On en a deux autres travaux, deux autres devoirs à faire après. Donc, il va falloir que ça roule. Et le devoir 4, c'est la suite du devoir 3. Donc, on va vous donner une solution pour repartir l'affaire. Donc, je vous donne jusqu'au 10, jusqu'au vendredi. Ça devrait aller, ça? C'est mieux que le lundi. OK. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Avant que je me lance dans le sujet du jour. Ouais. Ouais. Ben, un appel de méthode du côté gauche d'un égal, là, moi, j'ai jamais vu ça. On a une variable en Java. On a une variable qui reçoit quelque chose. Donc, c'était ça qui me faisait tirer les cheveux, par exemple. C'est bon? OK. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai toujours dit, vous pouvez supposer que les entrées que je vous fournis sont valides. Et la raison pour laquelle je disais ça, c'était qu'en Java, pour bien traiter les situations d'erreur, il faut maîtriser un concept qui s'appelle les exceptions. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, donc on va rencontrer les exceptions aujourd'hui, puis à partir d'aujourd'hui, je m'attends à ce qu'on utilise les exceptions quand il y a des situations d'erreur. Est-ce qu'on a besoin de faire ça à l'examen? Non, le cours aujourd'hui ne fait pas partie de l'examen. C'est pour ça d'ailleurs que je présente les exceptions aujourd'hui. C'est un sujet un peu plus secondaire que d'autres. Donc, ça enlève un petit peu de stress. Donc, on parle d'exception, puis la raison pour laquelle ce sujet-là arrive précisément aujourd'hui, c'est que il y a un lien avec la pile des appels. Puis donc, on a vu les piles, on a vu les applications des piles. À la fin de la lecture sur les applications des piles, on a vu que la mémoire, la gestion de la mémoire durant l'exécution des programmes utilise une pile. Donc, il y a un petit lien à faire avec le traitement des exceptions. Donc, c'est pour ça que ça arrive maintenant. OK, donc je pense que on est tous très sensibles aux problèmes liés avec les erreurs dans les programmes. Je pense qu'il n'y a personne là, qui dit « youpi » quand son ordinateur fait un « reboot », quand on a une échéance pour soumettre un devoir, puis Word n'arrête pas de planter, on n'est pas content. Donc, puis ça, c'est des exemples simples, OK? Il y a évidemment des exemples qui sont hyper catastrophiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3, 4, 5 ans, Toyota avait un problème où leur voiture accélérait toute seule. Vous imaginez, vous êtes sur la route, sur l'autoroute, puis la voiture accélère toute seule. Ça peut être stressant, ça peut causer des morts, évidemment. Donc, c'est vraiment hyper dangereux, les bugs.
Tout récemment, il y a en 2016, il y a un satellite japonais qui a juste explosé à cause d'une erreur dans un logiciel. Donc, il y a... Oui? Est-ce que Phoenix, c'est un bon exemple? Phoenix? Ben. Donc là, on est en train d'enregistrer. Hein? UO Campus est basé sur la même plateforme que Phoenix. Ça doit être bon signe. Le gouvernement avait choisi ça. OK. tout ça, évidemment, c'est des liens live. Donc, vous pouvez cliquer puis aller sur visiter ces liens-là puis apprendre au sujet de ces erreurs-là. Entre autres, sur Wikipédia, il y a toute une liste d'erreurs causées par des erreurs informatiques. OK. Donc, on va essayer d'être précis par rapport au traitement d'erreurs. Donc, il y a toutes sortes d'erreurs quand on est en programmation. Des fois, au début, peut-être qu'on a l'impression qu'il y a juste ça, des erreurs, que ça ne marche jamais comme on veut. Donc, il y a des erreurs de compilation puis des erreurs d'exécution. Les erreurs de compilation, des erreurs de syntaxe. J'ai oublié de mettre mon point-virgule, j'ai oublié de mettre la petite parenthèse frisée, etc. En Java, on est chanceux. On a un langage qui est fortement typé. Fait qu'il y a certains types d'erreurs qui sont détectées au moment de la compilation. J'essaie de faire un appel de méthode sur un certain objet. L'objet n'avait pas déclaré la méthode. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver en Java. On détecte ces erreurs-là au moment de la compilation. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les erreurs de compilation ne vont jamais affecter les usagers. Le compilateur refuse de produire le code objet, le code exécutable. Et donc, ces erreurs-là sont détectées avant même que le client, que l'usager ait accès au logiciel. Donc, ce n'est pas ces erreurs-là qu'on parle aujourd'hui, c'est les erreurs d'exécution. Alors, je sais que ça ne vous arrive pas souvent, là, mais avez-vous vu d'autres personnes qui ont eu des erreurs d'exécution dans leur programme? Oui. Quel genre d'erreur? Pardon? Oui, il y avait plein. On dirait que vous en avez déjà rencontré des erreurs. Null pointer. Ouais, l'année passée, j'avais proposé qu'on se fasse tous faire des beaux T-shirts. Null pointer exception. Ce serait super cool. On se reconnaîtrait, les diplômés, après ça, dans la rue, là. Null pointer exception. Oui? Sur son T-shirt ou? Non. OK. Ça, c'est difficile à déboguer, hein, parce que tu regardes, puis tu es en train d'exécuter, puis tu restes pris devant ton ordinateur. Division par zéro, ça cause une erreur. Des index négatifs, des index à l'extérieur d'un tableau. La pile est vide au moment d'un appel à la méthode POP. Est-ce que vous seriez capable de caractériser les erreurs en catégories? Donc, un programme Java, au moment de l'exécution, peut rencontrer une erreur. Le programme va terminer. Ces erreurs-là, on en a mentionné certains types, comme une boucle infinie. Ça serait quoi la catégorie d'une boucle infinie? Ce que le programmeur, de façon intentionnelle, a dit, regarde, je vais programmer une boucle infinie. Probablement pas. C'était une erreur de logique. Accéder à un index à l'extérieur du tableau. C'était-tu intentionnel? Sûrement pas. C'est une erreur de logique. Donc, il y a plein d'erreurs, puis possiblement la majorité des erreurs qu'on rencontre
c'est des erreurs de logique. C'est des erreurs où, avec suffisamment de tests, suffisamment d'habilité, avec des langages expressifs, on a peut-être des chances de les éliminer. Est-ce que vous pouvez imaginer d'autres types d'erreurs que nos programmes pourraient rencontrer? Oui? Mais ça, ça devrait être une erreur de logique. Tu aurais dû d'abord regarder si le dénominateur était zéro, je ne fais pas ça, sinon je fais ma division par zéro. Oui, devant? Ah, OK. Donc, ça se pourrait que l'utilisateur nous ait fourni des informations qui sont erronées. Et probablement, ce serait du travail d'un bon programmeur d'attraper ces erreurs-là puis dire, attention, là, c'était pas ça que je voulais. Un autre type d'erreur, d'autres types d'erreurs qu'on pourrait rencontrer dans nos programmes. Oui? Non, ça, c'est compilation. C'est ça. On est vraiment à exécution. Là, on est dans le Airbus 380 qui passe au-dessus de nos têtes. Oui? Ah, OK. Ça, c'est... Donc, moi, je mettrais ça dans la catégorie « il pourrait y avoir des erreurs d'entrée-sortie ». Mon chat a accroché le fil de mon clavier. Le clavier est débranché. Je ne suis plus capable de rentrer des données. Il y a un rayon gamma qui a zappé mon disque. J'essaie de lire le disque. Erreur de lecture. Mon disque ne fonctionne plus. Bien, justement, mon disque à maison vient de sauter. Donc, c'est un exemple que je connais bien. Il y a donc des erreurs de logique, puis il y a des erreurs externes. Il y a deux catégories. Il y a celles qui sont, c'est notre faute. Comme programmeur, on n'a pas fait notre travail. Puis il y a celles que, peu importe la quantité de travail qu'on va mettre pour produire un logiciel de qualité, on ne peut pas prévenir ces erreurs-là. Mon CPU vient de flancher, mon disque vient de flancher, j'ai voulu accéder à une page web, elle n'était pas là. J'ai voulu lire des fichiers de configuration, ils ont été détruits. Toutes ces erreurs-là externes, on va vouloir les traiter. Java, c'est un langage assez moderne, puis il va nous fournir des mécanismes différents, si on veut, pour traiter les erreurs de logique, puis pour traiter les erreurs externes. Dans le cas des erreurs externes, il va nous forcer, il va nous dire, mais qu'est-ce que tu vas faire si jamais le clavier était débranché, puis je ne suis pas capable de lire. Donc, il va vraiment, ça va être intéressant, il y a un mécanisme assez fort qui va faire réfléchir le programmeur pour trouver une solution à ces problèmes-là. OK, donc, erreur d'exécution, deux sources. À partir de maintenant, j'aimerais ça que vous développiez un réflexe. À chaque fois que vous commencez à coder une méthode, vous vous posez des questions. Vous dites, quelles sont les conditions qui devraient être vraies pour que l'exécution de cette méthode-là fasse du sens? Que ce soit logique, que ce soit sans erreur, etc. Donc, typiquement, il y a deux sources d'informations qu'il faut consulter. Il va y avoir les paramètres. On me demande d'utiliser une certaine position, un index, pour accéder à un tableau. Si j'ai reçu quelque chose de négatif, si j'ai reçu quelque chose qui excède la taille du tableau, c'est incorrect. Donc, dans mes préconditions, la première chose que je ferai, je regarde la valeur du paramètre. Si c'est négatif ou si c'est à l'extérieur de mon tableau, si c'est trop grand, tout de suite, j'informe l'usager, qui dans ce cas-ci est un programmeur, de la situation. Donc, les paramètres. Deuxième cas, c'est l'état de l'objet. Puis ça, déjà, on a vu quand on a développé ensemble la classe Dynamic Array Stack. Une méthode pop, si elle est appelée au moment où la pile est vide, c'est une situation d'erreur.
le programmeur qui utilisait notre méthode POP, il n'a pas bien fait son travail. Il aurait d'abord dû regarder, est-ce que la pile est vide? Si elle est vide, je ne fais pas un appel à POP. C'est vraiment, s'il y a un appel à POP, c'est une situation d'erreur. Ce n'est pas notre erreur en tant que programmeur de la méthode POP, c'est l'erreur de l'utilisateur de la méthode POP. Dans tous les traitements d'erreurs, ça va être important d'avoir à l'esprit qu'il y a deux programmeurs en jeu. Il y a celui qui est en train de programmer la méthode dont on parle. Lui, il va détecter une situation d'erreur. Il ne veut pas la corriger, il fait juste la détecter. Je dis lui ou elle. Okay. Corriger, il y a plus de elle que de il dans nos TA pour le cours. Détecte une situation d'erreur, ce n'est pas l'endroit pour corriger l'erreur. J'informe l'appelant. Quelqu'un a appelé la méthode POP. Je suis en train d'implémenter la méthode POP. Je détecte. La pile est vide. Je veux informer l'appelant de l'erreur. Je me mets maintenant le chapeau de l'appelant. Je suis en train d'utiliser une pile. J'ai fait une bêtise. La pile me renvoie une information qui me dit qu'il y a une situation d'erreur. Là, c'est mon rôle d'attraper cette situation et de contenir cette situation d'erreur-là. OK? Donc, gardez à l'esprit qu'il y a tout le temps deux rôles. C'est souvent deux personnes différentes. C'est souvent à deux endroits bien différents dans le code. Il y a quelqu'un qui détecte une situation d'erreur puis qui informe. Et il y a quelqu'un qui reçoit cette information-là puis qui la traite. Ça vous va jusqu'à maintenant? Assez raisonnable tout ça. Donc, à partir de maintenant, ça serait une bonne idée de valider les préconditions comme première chose. Puis, si on y pense, c'est bien logique. Je suis en train de commencer à coder quelque chose. Qu'est-ce qui devrait être vrai? Je regarde les paramètres, je regarde l'état de l'objet. Une fois que ça, c'est fait, même votre code va être beaucoup plus élégant parce que dans le reste du code, vous n'allez pas vous préoccuper de traiter les situations d'erreur. Votre code va vraiment avoir deux parties, préconditions, traitement d'erreur, ensuite, le cas où tout va bien. Ça va faire du code qui est plus élégant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'à maintenant? Donc, je veux personne là, qui me dit, on utilise les exceptions. Ouais, je le sais, c'est ça le cours. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les outils qu'on a jusqu'à maintenant pour traiter les situations d'erreur. Je vous propose ma favorite parce que je ne pense pas que vous allez la proposer. Division par zéro. Je vais m'en causer une erreur. J'ai détecté. La pile était vide. Division par zéro. Ça va faire planter le programme. Ça va sortir. Qu'est-ce que vous pensez de ma solution? C'est bête, là. C'est bête parce que j'utilisais une pile, puis là, le message d'erreur que j'ai, c'est division par zéro. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on ne voudra pas. On va vouloir des messages d'erreur qui vont être clairs, qui vont être liés à la situation d'erreur qu'on a. Il y avait une proposition là. Bien, donc, il y aurait la possibilité d'afficher un message d'erreur. Mais c'est vraiment pas adéquat dans la plupart des cas. D'une part, il y a beaucoup de systèmes embarqués. Il y a beaucoup plus de lignes de code maintenant qui tournent dans des microprocesseurs qui sont sur l'injection de votre voiture, les freins, tous les systèmes embarqués sur les Airbus, dans vos prothèses articulées qui ont des microprocesseurs. Fait que là, on ne voudrait pas que je marche, puis là, j'ai un petit afficheur qui me dit « Oups, il y avait une erreur avec ma prothèse, puis là, ça ne marche plus bien. » Donc, afficher des messages d'erreur, ça ne contraint pas
le programme à traiter la situation d'erreur. Dans bien des cas, il n'y a pas d'humain pour regarder ces messages d'erreur-là. Donc, ce n'est pas souhaitable. Ce qu'on va rechercher va être quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Avez-vous d'autres idées que juste afficher? Donc, tu avais parlé de quitter. On pourrait effectivement, je pense que c'est mon prochain, on pourrait faire System Exit. Donc là, je lance mon programme, se produit l'erreur, flunk. OK. Je le relance, zoom. Je le relance, il se ferme toujours. Donc, c'est pas souhaitable de quitter tout simplement le programme. Oui. On pourrait s'inventer un système nous-mêmes, mais Java étant moderne, il y aura une belle solution. Une vieille solution qui existait, c'est de retourner une valeur particulière, une valeur de retour. Donc, une méthode get qui va chercher dans un tableau l'élément à une certaine position. On a passé une valeur qui était une valeur illégale, trop grande, négative. Au lieu de retourner la valeur, on pourrait retourner, si c'est des références qu'on devait retourner, on pourrait retourner nul. On dit, si jamais la valeur n'est pas là, je te retourne nul, fais quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution-là? Des valeurs de retour qui nous donnent des codes. On pourrait imaginer une méthode, normalement, elle ne retournerait rien, on la modifie un peu. On dit « retourne un entier ». Puis l'entier va servir de code d'erreur. Si j'ai une erreur de tel type, je te retournerai moins 1. Si j'ai une erreur d'un autre type, je te retournerai moins 2. Si j'ai une erreur de ce type-là, je te retournerai moins 3. On pourrait retourner des valeurs qui encoderaient des informations. On pourrait faire ça. En fait, en programmation système, ça se fait beaucoup. Mais ce n'est pas aussi utile que ce qu'on va avoir en Java. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution-là où on retourne des valeurs à l'aplat? Oui? Ah, OK, on pourrait avoir un phénomène où il y a du va-et-vient comme ça. C'était pas correct, je réessaye. C'est pas correct, je réessaye. Pour ça, on n'aura pas vraiment une solution Java super intéressante. Il se pourrait que le programmeur contienne l'erreur, il redémarre le calcul, puis qu'il alterne. Là, ça va être difficile d'avoir un mécanisme Java qui prévient ça. Quoi là-haut? Pour moi, il y a vraiment deux problèmes. Il y a un problème de généralité. Si mon programme, il devait retourner des valeurs entières, puis qui utilisait tout le spectre des valeurs, bien, mon mécanisme, il ne marche pas. Il n'y a plus de valeurs de retour qui sont disponibles pour informer l'aplat. Donc, ce n'est pas général. Puis, deuxièmement, ce n'est pas un mécanisme qui est suffisamment fort, qui a des dents. Je peux signaler, excuse, il y avait une erreur, je te retourne moins un pour te le dire. L'aplat peut ignorer cette erreur-là. Puis ça, c'est grave. Moi, je voulais crier, là, je voulais dire, « Hey, il y a une erreur, fais quelque chose! » J'ai fait, « Il y a une erreur, veux-tu la traiter? » Le programme a continué, il n'a pas traité mon erreur. Donc, j'avais un très beau, assez beau mécanisme qui va nous permettre, qui va être général, qui va faire que ça sera impossible à l'aplat de poursuivre le calcul sans traiter l'erreur. Ça va vraiment être puissant. Je vous parle souvent de Control Freak. C'est un autre exemple. Je dis qu'il y a une erreur, puis je rends impossible la continuation du programme sans que l'erreur ait été traitée. OK, donc, on veut indiquer de façon précise c'est quelle méthode, c'est quel énoncé, c'est quoi la nature de l'erreur, puis on va rendre ça impossible d'ignorer
les messages d'erreur. Donc, ne devrait pas être surpris qu'en orienté objet, on va modéliser les situations d'erreur avec des objets. Quand on a regardé les interfaces usagées graphiques, on a dit les événements, les clics de souris, on va créer des événements, ça va être des objets, on va se les lancer, on va les recevoir, on va traiter ces événements-là. De la même manière, Java est un langage orienté objet. Il y a des classes qui modélisent les différentes situations d'erreur dans nos programmes. Ça commence avec throwable, les choses qu'on peut lancer. Les choses qu'on peut lancer possèdent un message, ils encapsulent un message. On peut même aller rechercher le message. Puis, il y a une méthode qui s'appelle printStackTrace si on veut voir à quel moment où on était dans l'exécution du programme. Sous throwable, il y a une sous-classe qui s'appelle error. On ne va pas en parler trop. C'est plutôt pour Java lui-même à l'interne. C'est des situations d'erreur qui sont tellement catastrophiques qu'il n'y a rien à faire. Essayez pas de contrôler ça. Il manquait une classe dans votre environnement Java. Ça ne marchera pas. Là. La classe string a été endommagée. Votre disque a un problème. Il faut que le programme termine. C'est pas le temps. Il n'y a rien à faire. On avait besoin de la classe string et puis là. Donc, error, c'est des erreurs qui sont anormales. C'est des situations que le programmeur ne devrait pas traiter. L'autre côté, il y a la classe exception. Celle-là, on s'attend à ce qu'on les traite. Puis tout à l'heure, on va voir qu'il y a celles qui sont IO exception, on va devoir les traiter. Puis il y a les runtime exception qui sont associées à la logique. Il devrait y avoir des noms qui sont familiers comme sous-classe de runtime exception. Null pointer exception. Index out of bound exception. Arithmetic exception, division par zéro. Donc, vous voyez que ce sont des erreurs qui ont quelque chose de très lié à la logique de nos programmes. Alors, on va changer de mode un peu. Je viens de vous proposer que les exceptions sont modélisées avec des objets. Bien, on va jouer avec ça. Alors, en particulier, j'ai utilisé runtime comme exemple. On va jouer avec ça. OK, donc j'ai un petit programme ici, test runtime exception. J'ai une méthode principale, puis pour l'instant, elle fait juste une chose, elle affiche un message. Alors, est-ce que ça, c'est un programme valide? Test runtime exception, bravo, ça compile. Alors, runtime exception. S'il existe une classe qui s'appelle runtime exception, je devrais être capable de créer une référence de type runtime exception. Oups, là. Ça marche, ça compile. J'exécute mon programme. Il ne se passe rien de particulièrement excitant, là. La vie est belle. Donc, il n'y a rien, puis là, c'est une joke de nerd, je m'en excuse. Il n'y a rien d'exceptionnel à déclarer une référence d'un type exception. OK. C'est-tu dangereux de créer des objets? New runtime exception. Houston. We have a problem. Est-ce
que ça va compiler. Ça compile. Mais là, j'ai créé un objet exception. Est-ce que c'est exceptionnel ou pas? Qu'est-ce qui va apparaître à l'écran? Quelque chose de... ça va faire boum. Mon ordinateur va fondre. Essayons. La vie est belle. Blague de nerd. Il n'y a rien d'exceptionnel à créer un objet de la classe Runtime Exception. If args length égale à 0, l'utilisateur ne m'a pas donné de paramètres, puis ça me fâche. Throw. Nouveau mot-clé de Java, throw. Alors, on compile ça. Ça compile. On exécute le programme. Okay. Qu'est-ce qui va se passer comme ça? La vie est belle. La vie est belle. J'ai pas... mon programme s'attendait à avoir un paramètre. J'en ai donné un. Il est heureux. On va voir s'il va être fâché si on fait ça. Donc là, il n'y a pas d'argument sur la ligne de commande. ArgsLength devrait être égal à 0. On va exécuter throw E. Oh, la vie n'est plus belle. Il n'y a pas affiché « la vie est belle ». Le programme a terminé précisément à la ligne 7 où il y avait l'énoncé « throw ». OK. Est-ce qu'il y a une question pour ça? Oui. Pardon? Ah. On va essayer. Bon, hey. Bon, il faut dire que ce que j'ai écrit là, c'était vraiment bizarre. On n'écrit jamais du code comme ça, là. Je voulais juste vous montrer que c'est pas la déclaration de la référence. C'est pas créer l'objet. C'est throw qui est le problème. On va modifier notre exemple pour le rendre plus réaliste. Ça, c'est un exemple réaliste. On ne sauvegarde pas la référence d'un objet, on la lance. Throw. Il aurait fallu... Unreachable statement. Sis? Ah, there we go. OK. Whoop. Java C. OK, ça compile. On réessaie. Ligne 6. Donc, on vient tous de découvrir quelque chose. La ligne qui a été capturée est celle où l'objet a été créé. Merci pour l'hint. Après 15, 16, 17 ans d'enseigner le cours, c'est la première fois que je vois ça. J'aurais pu éviter le problème si je n'avais pas affiché le numéro de ligne. J'aurais fallu compter rapidement, mais c'est bien mieux comme ça. OK, ça vous va? On va changer. On va revenir là tantôt. OK, donc les exceptions sont des objets. Il y a une super classe qui s'appelle Throwable. Qui déclare des méthodes getMessage, printStackTrace. On va revenir à ça plus tard. Ce n'est pas la déclaration ou la création des objets qui
réalise ce mécanisme-là, c'est vraiment lorsque le programme exécute l'énoncé « throw ». OK, donc c'est vraiment ceci. J'étais dans la méthode POP, j'ai détecté que la pile était vide, j'ai signalé à l'appelant qu'il y avait un problème « throw new empty stack exception ». OK, donc, ce qui est important à comprendre ici, c'est que ce mécanisme-là, il change le flow de contrôle. Normalement, le flow de contrôle, il est assez simple. Énoncé, 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 il y a une boucle. Si c'est vrai, je vais dans la branche vraie. Si c'est faux, je vais dans la branche faux. Quand une exception est lancée, le flow de contrôle normal est interrompu. On panique. Il y a une erreur. L'énoncé où le throw est survenu termine abruptement. La méthode où l'énoncé throw se trouvait termine abruptement. Même pas des parties d'expression qui étaient suspendues vont être terminées. Non. Vraiment, à partir du point où on a fait throw, on est en mode situation d'erreur, faut faire quelque chose. S'il n'y a rien qui est mis en place pour traiter l'erreur, la méthode courante termine. Contrôle retourne à l'appelant. Donc, voyez l'idée de pile d'appel. Contrôle revient à l'appelant. S'il n'y a rien pour traiter la situation d'erreur, contrôle revient à l'appelant. S'il n'y a rien pour traiter la situation d'erreur, contrôle revient à l'appelant. Quelle est la méthode qui est sur le dessous de la pile des appels? Toujours? Main. S'il n'y a rien dans la méthode main pour attraper cette situation d'erreur-là, le programme termine, puis vous voyez la pile des appels déroulée à l'écran. OK? Donc, OK, on va jouer avec l'ordinateur pour ça. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Oui. OK, donc j'ai un autre test. Celui-là, c'est test expression. On va voir si ça compile. Je vais réécrire Java C. Ça compile. OK. Int n. On va faire si n est égal à 0. Throw new runtime exception. Ouch. Comme ça. OK. Faire display de args length. Est-ce que ça compile? Je n'ai pas fait l'erreur. OK. Java test expression. OK. Deux arguments. La vie est belle. On y passe aucun argument en paramètre. On s'attend donc qu'on appelle la méthode display et le test va dire n égale à 0, on va exécuter ceci. Ça marche. Maintenant,
private static static void. Non, celui-là, on voudrait faire. Ben, celle-là, on va appeler ça erreur. Puis l'autre, on va l'appeler display. Void, display. On va afficher un petit message d'erreur ici. En fait, on va retourner un boolean ici. On va retourner un booléen ici. Vous allez voir pourquoi dans une seconde. Return true. Comme ça. Ici, plutôt que la vie est belle. La La Land. Comme ça. Return true. If error or display, on faut y passer. Non, error, faut lui passer args length. Display a rien. Ici, on va juste mettre un petit message d'erreur. OK. Je sais pas d'où ça me vient. Ça compile-tu? OK, on va essayer ça, un premier test où on va y passer ça. Donc ça, mon petit programme a bien fonctionné. Je peux peut-être mettre ça un peu plus en haut ici. OK, donc j'ai fait Java, test expression, j'ai passé quelque chose sur la ligne de commande, donc args length n'était pas zéro. Donc, j'exécute erreur, je lui passe quelque chose qui n'est pas zéro. Donc, je viens ici, j'affiche la vie est belle, je retourne true. Puisque c'est true, je vais de l'autre côté de l'expression, j'exécute display affiche la La Land. On revient ici, on affiche Moonlight. On essaie maintenant. Donc, c'était quoi le but de mon exemple? Le but de mon exemple, c'était que s'il y a une erreur qui survient ici, vraiment, cette expression-là va terminer abruptement, ce qui veut dire qu'on ne va pas exécuter l'autre partie de l'expression. On ne va pas non plus afficher ce qui est là. Donc, ça, c'est ma prédiction. Ça devrait faire quoi? Ça va aller ici. Ça va dire n égale à 0. Lance l'exception. On n'exécute pas cette ligne-ci. On revient à la méthode principale. Il n'y a rien pour corriger la situation. Le programme va terminer. C'est ça, je m'attends. Oups, si je... Donc, effectivement, aucun des messages d'erreur n'a été imprimé, ce qui confirme ma théorie. Quand il y a une exception, l'expression courante, la méthode, tout termine abruptement. On déroule la pile des appels jusqu'à ce que quelque chose se produise pour corriger la situation d'erreur. Faisons un autre test. On va l'appeler celui-là, test ABC. On va changer ce nom-là ici.
On va enlever le E qui est là. On va appeler ça C. On va appeler ça B. On n'a pas besoin de valeur de retour. On va simplifier les choses un peu. Void. Puisque j'ai appelé ça ABC, ce serait une bonne idée d'avoir un A. Comme ça. Puis, dans ma méthode principale, je vais faire A de args length, GTH, comme ça. Ici, il manque un return. Je vais enlever les returns. Merci beaucoup. On va enlever les returns. OK, donc je veux juste simplifier le code là, pour que ce soit mieux. Alors ici, on va appeler C, puis on va y passer ce qu'on reçoit. On va appeler B, puis on va lui passer le N. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme film aux Oscars? Arrival. Alors, Arrival, La La Land, ouch, la vie est belle. OK, est-ce qu'on a un programme valide? Java C test abc.java. On a un programme valide. On l'appelle d'abord avec un argument. Donc, args length n'est pas zéro. Qu'est-ce qu'on s'attend? Donc, j'exécute la méthode principale. J'appelle A. A va appeler B. B va appeler C. Le paramètre n'est pas zéro. J'affiche la vie est belle. Je reviens La La Land. Je reviens Arrival. Je reviens Moonlight. C'est la théorie. Vous êtes d'accord? La vie est belle, La La Land, Moonlight, Arrival. OK? Donc, ça a marché. N égale à 0. Donc, j'appelle A, je lui passe args length, c'est 0. On appelle A avec la valeur 0. A appelle B, lui passe le 0. B appelle C, lui passe le 0. Exception. Il n'y a rien pour corriger la situation. C termine. Revient à B. Rien pour corriger la situation. B termine. Rien. On ramène le contrôle à la méthode A. Il n'y a rien pour corriger la situation d'erreur. A termine. Ramène le contrôle à la méthode principale. Il n'y a rien pour corriger la situation d'erreur. Le programme termine. On va afficher. Il y a une exception, runtime exception, qui a été lancée à la ligne 5. Ouch! On va afficher C, B, A, main. C'est ce que je prédis. OK? Donc, ouch! En ligne 5, qui avait été appelé à la ligne 11. Qui avait été appelé à la ligne 16, qui avait été appelé à la ligne 21. Jusqu'à maintenant, on est bon, tout marche comme on veut. Avez-vous des questions sur ce petit exemple-là? OK. Oui. Pourquoi ceci est private? Ce sont des méthodes que j'appelle d'aide. En anglais, je les appelle helper. C'est des méthodes auxiliaires. Donc, ce qui est public,
les autres programmeurs les voient et peuvent les utiliser. Si je ne veux pas que d'autres programmeurs utilisent ces méthodes-là, je les avais définies pour moi, pour m'aider à solutionner un problème private. OK. Donc là, on a fait plein de tests. On a vu comment ça marche. Là, on a vu comment signaler des situations d'erreur. On a vu comment, moi, dans mon programme, je détecte une situation qui est anormale. Je souhaite forcer un traitement « throw ». Parfois, on va vouloir attraper les erreurs. Donc, j'ai appelé une certaine méthode. Elle me lance une exception. Je sais quoi faire. Je peux utiliser des énoncés « try-catch ». Donc, ça fonctionne comme ça. La première partie, c'est « try ». Dans le bloc « try », on va mettre des énoncés dangereux. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, fait que j'imagine toujours à l'aéroport, ils ont détecté un bagage qui était laissé seul. C'est possiblement un bagage dangereux. Il y a peut-être une bombe dans le bagage. Fait que là, arrive le petit robot, il ramasse le bagage, il l'amène à l'extérieur, met dans une grosse boîte en béton. Je l'imagine en béton, la boîte, avec du plomb, des choses. Puis là, ils attendent. Puis s'il se passe quelque chose, ça va exploser dans la boîte en béton. Donc, « try », c'est ça. Je veux exécuter un énoncé. « Hi, il est dangereux. Il va peut-être me lancer une exception. » Je le mets dans le bloc « try ». Et là, je peux attraper des situations d'erreur différentes en utilisant des noms de classes d'exception. S'il y avait une exception de type « exception type 1 », je vais faire ceci. S'il y avait une exception de type 2, je vais faire ceci. Puis il y a un bloc « finally ». « Finally » est toujours exécuté. Quand ça va bien, il est exécuté. Quand ça va mal, il est exécuté. Quand ça va mal, puis qu'on n'a rien fait pour corriger la situation d'erreur, il est exécuté. On utilise « finally » pour faire des choses comme fermer les fichiers qui sont ouverts. Dans les systèmes d'exploitation, il y a un nombre fini et petit de nombre de fichiers qui peuvent être ouverts en même temps. Si on ne les ferme pas systématiquement, on peut manquer de on peut atteindre la limite du nombre de fichiers qui peuvent être ouverts en même temps. Donc, c'est important de bien les fermer. Je propose un exemple ici que j'avais créé pour un examen final. Donc, c'est l'exemple du grill. Donc, il y a une classe grill qui a une variable d'instance burner, brûleur. Donc, on est à l'heure du lunch, ça marche bien. Donc, il y a une variable d'instance burner qui pointe vers un objet burner, un brûleur pour un barbecue. Puis j'ai une méthode cooking. Dans la méthode cooking, je m'apprête à faire des choses dangereuses. Fait que je les ai mis dans mon bloc try. Donc, je vais allumer mon grill, je vais ajouter le steak sur le grill, je vais ajouter un peu de poivre, de sel. Puis là, j'ai une variable done que je mets à faux. Mon steak n'est pas encore cuit. Puis là, j'ai une boucle. Tant que le steak n'est pas cuit, je regarde, check steak, est-ce qu'il est cuit? Éventuellement, check steak devrait retourner true, il est prêt. Je vais sortir de la boucle, puis je vais manger mon steak. OK? Par contre, j'ai prévu des situations d'erreur. Ça se pourrait que il n'y a pas de gaz dans la bonbonne de propane pour mon barbecue. Ça se pourrait qu'il y ait un feu. Il y a toutes sortes d'erreurs qui peuvent survenir. Puis, dans tous les cas, c'est important de toujours éteindre le grill. Peu importe que ça a fonctionné, puis j'ai fait mon steak ou que le feu a pris, il faut quand même que je ferme le grill. OK, donc,
Je vous présente un premier exemple où tout va bien. OK? Donc, on va effacer ça, puis on se fait un exemple. Donc, j'appelle la méthode « cooking ». J'appelle la méthode « on » de mon grill, de mon barbecue. Tout a bien fonctionné. J'appelle la méthode « add steak ». Ça y est, le steak est sur le barbecue. J'appelle la méthode « add salt and pepper ». Ça va encore bien. « done égale false ». Je vais donc dans la boucle. « Check steak ». Il n'est pas prêt. Tour de boucle. « Check steak ». Comme j'aime mon steak bleu. Ah, il est prêt. « done égale true ». Je sors de la boucle. Il n'y a eu aucune situation d'erreur. Le contrôle se transfère à « finally ». Je ferme le grill. Puis la méthode « cooking » termine. C'est ce qui se passe si tout va bien. On recommence. On efface des choses. J'appelle la méthode « burner on ». Oh mon Dieu, il y a une exception, « out of gas exception » qui est lancée. Aucun des énoncés qui est là est exécuté. Par contre, j'avais un bloc « catch » dont le type du paramètre est « out of gas exception ». Le contrôle est transféré ici. On exécute la méthode « call retailer ». On va commander une nouvelle bonbonne. Et ensuite, le contrôle revient ici. « Burner off », on ferme le grill. Et la méthode termine. On n'a pas notre steak, mais on va attendre qu'on ait une nouvelle bonbonne. Ça vous va? Prochain exemple. OK, donc, on appelle la méthode cooking, burner on, tout se passe bien. Add steak, super. Add salt, ça va bien. Done égale false, je vais dans la boucle. Check steak, ça va. Je reviens ici, il était faux, il n'est pas encore prêt. Check steak. Je tourne faux, il n'est pas encore vrai. Je vais à la salle de bain. Ça tourne, ce truc-là. Éventuellement, check steak lance une exception de type fire exception. Qu'est-ce qui se passe? On termine le code ici. On transfère le contrôle ici puisque on avait un bloc qui avait un paramètre du même type que l'exception qui a été lancée. On appelle la méthode « extinguish fire ». On exécute « burner off ». Quand même, c'est important. Puis on termine. Oui? Oui, on pourrait avoir structuré. J'aurais pu avoir une boucle à l'extérieur, puis une fois que j'ai commandé, puis que j'ai reçu mon gage, je réappelle. Il y aurait moyen de réécrire cet exemple-là pour qu'on va réappeler, réexécuter ce truc-là. Ça, c'est facile à restructurer. Bien là, si j'ai mis un « finally », oui, on va être obligé d'y aller. Je veux dire juste après le cash. Oui, ça va toujours. « Finally », toujours. Il aurait fallu que j'écrive la méthode différemment. Je vous fais un dernier exemple. On appelle la méthode « cooking ». J'appelle « burner on », tout va bien. « Add steak », tout va bien. « Add salt and pepper », « out of salt exception ».
Oh mon Dieu, out of salt exception. Je regarde, j'ai un out of gas exception, j'ai un fire exception, mais j'ai pas out of salt exception. J'appelle finally, burner off. La méthode termine abruptement. On va à l'appelant. As-tu quelque chose pour traiter out of salt exception? Si cette méthode a un block try catch, ça s'arrête. Sinon, retour à l'appelant. Est-ce qu'il y a un block try catch avec un énoncé catch pour out of salt? Et s'il n'y a pas de block catch pour out of salt exception, le programme va terminer. Okay. C'est un bon exemple. Pardon? Il va vraiment faire comme tout à l'heure, là. Il va se rendre jusqu'au système d'exploitation avec la pile déroulée puis l'information, là. Donc, il va vraiment terminer. Absolument. OK. Un exemple plus sérieux. J'ai un bloc try-catch ici, puis j'ai regardé la documentation de parseInt, qui est ici, puis j'ai vu que dans la documentation de Java, la méthode parseInt, si le paramètre ne désigne pas une chaîne qui peut être interprétée comme un nombre, la méthode parseInt lance numberFormatException. Donc, j'ai écrit mon code comme ceci. Je dis, ça se peut que integerParseInt lance une exception. Si c'est le cas, je vais l'attraper ici, puis j'utiliserai une valeur par défaut. Donc, si ça fonctionne bien, le bloc catch n'est pas exécuté. Si ça fonctionne mal, bien, j'ai une valeur par défaut. Comme ici, si je lui passe ceci, ça va lancer une exception. On va donc exécuter le bloc catch et la valeur qui sera affichée ici sera le zéro qui est là. Ça, c'est un exemple plus sérieux. OK, « finally » est toujours exécuté. Là, j'ai l'exemple de tous les exemples. Là, il est vraiment complet au niveau de tout ce qu'on peut imaginer. Plutôt que le taper sur l'ordinateur, je vais le faire ici. Donc, j'exécute la méthode principale. J'affiche le message qui est là. J'appelle A. On appelle A. J'affiche le message qui est là. J'ai un bloc try, j'appelle B, donc on appelle B, on affiche ce message-là, on exécute C, on va donc appeler ça, exécute C, j'affiche ce message-là, et là, l'énoncé throw est exécuté. Je reviens à la méthode B. Il n'y a rien pour attraper la situation d'erreur. Je n'affiche pas le message qui suit l'appel. Je reviens ici. B avait été appelé dans le bloc try ici. Le type de l'exception qui est lancé correspond au type du paramètre. J'affiche ce message-là. Je transfère le contrôle maintenant ici parce qu'on a attrapé l'erreur. J'affiche ça. Je vais changer de couleur. Je fais un appel à B, mais là, il n'est pas dans mon bloc try-catch. J'appelle B. J'affiche. J'appelle C.
j'affiche, l'exception est lancée, contrôle revient à B, il n'y a pas de bloc try-catch, contrôle revient à A, mais on avait appelé B à l'extérieur du bloc try-catch, donc je n'affiche pas ce message-ci, contrôle revient à la méthode principale, il n'y avait pas un bloc try-catch pour contenir l'exception, main termine, puis on va afficher la pile sur l'écran. Okay, je pensais que j'avais la sortie. C'est logique, c'est ce que vous auriez répondu? OK. Il était 42, donc je pense que j'ai encore quelques minutes. Une petite chose. Donc, je vous ai dit au départ qu'on pouvait catégoriser les erreurs en deux groupes. Il y a des erreurs qui sont des erreurs de logique, puis il y a des erreurs qui sont des erreurs externes à nos programmes. Les exceptions sont normalement des exceptions à déclaration obligatoire. Puis on va voir ce que ça veut dire dans une minute. Sauf celles qui sont sous runtime exception. Si elles sont sous runtime exception, on n'est pas forcé de déclarer l'exception. Puis vous allez voir dans une minute ce que ça veut dire. Vous apercevez que ce qui est sous runtime exception, c'est des erreurs de logique. C'est des erreurs qui, si on a bien fait notre travail, si on a débogué, si on a validé notre code, ces erreurs-là ne devraient pas survenir. Qu'est-ce que ça veut dire des erreurs qui doivent être déclarées? Je reviens à mon petit test ici. J'avais utilisé runtime exception justement parce que c'est une exception qui n'est pas à déclaration obligatoire. Si j'avais utilisé exception, Java C, test, puis là, ça va être étrange parce que ça s'appelle runtime exception. Il me dit, unreported exception. Il dit, ton programme, il lance une exception, possiblement, donc ce n'est pas tous les cas, mais il peut lancer une exception. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu allais faire si cette exception-là survenait. Donc, regardez bien. Si je mets runtime, le programme compile. Si je mets exception, il me dit unreported exception. Puis il m'offre deux choix. Il me dit soit tu l'attrapes, tu la mets dans un bloc try-catch, puis je vais être content, ou tu la déclares. Déclarer, ça veut dire ceci. Throws exception. Je fais juste ça. Compilateur va être heureux. Qu'est-ce que je viens de lui dire? Je viens de dire, s'il y a une exception qui est lancée, bien, je ne vais rien faire. Mais au moins, je suis honnête, je suis transparent. J'avertis l'appelant. Je lui dis, attention, si tu utilises cette méthode-ci, elle lance des exceptions. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est contagieux, ce truc-là. Donc là, l'appelant qui appelle cette méthode-ci a deux choix. Try-catch ou déclare. Comme il me reste une couple de minutes de plus, je vous fais l'exemple complet. Vous allez voir, ce ne sera pas bien long. Avez-vous un examen? Oui. OK. Prochain cours.
Bon examen. Bonjour.